savais que c'est toujours la dernière minute où on trouve les choses. Eh ben, écoute, Mabrouk. Mabrouk, toi de l'heure. Oh, c'est génial. Donc, 3 momies, 4 momies et une caisse. Superbe. On est une mission du Louvre, on a un devoir de respect, c'est un objet magnifique, il ne faut pas l'abîmer. Voilà, c'est tout ce que je pense. Oh, il y en a un magnifique en dessous. Okay. Intact. Super. Ça valait le coup d'attendre un an hein, pour trouver ça. Étudier des populations qui ont disparu depuis longtemps et puis d'essayer de voir comment ils vivaient, comment leur mode de vie retentissait sur leur anatomie, sur leur squelette, etc. Ça, c'est intéressant. Saqqara, la plus ancienne nécropole d'Égypte. 15e campagne de fouilles du musée du Louvre. Il est 7h du matin. Le Raïs, le chef des ouvriers, donne le signal du début du travail. Voici Christian Ziegler, elle dirige la mission. Onze personnes font cette année partie de l'expédition, parmi lesquelles nous retrouvons Jean-Pierre Adam, architecte et archéologue, ainsi que Marie-Françoise de Rosière, restauratrice au musée du Louvre. Elle est chargée de la sauvegarde des objets découverts. La fouille va durer un mois. Une centaine d'ouvriers égyptiens travaillent avec l'équipe française. Au pied de la pyramide de Djéser, voici le site étudié par la mission du Louvre. Plusieurs tombes de l'ancien empire, elles ont environ 4500 ans. Cette année, première nouveauté. Entre deux mastabas, deux tombes antiques, une rue est en train d'apparaître. Les ouvriers retirent le sable qu'il avait recouverte au cours des millénaires. Donc une rue qui se prolonge sans doute là-dessous, hein, sous ces déblais, qui est parallèle à la première, celle que nous avons dégagée il y a quelques années. Et là, ces fausses portes qui sont le lieu où le mort peut aller et venir, comme disent les textes, sortir le jour, bénéficier des offrandes qu'on dépose régulièrement, c'est-à-dire qu'il est censé se nourrir des fruits, des légumes qu'on lui apporte, il est censé donc manger, et puis il regagne sa demeure souterraine, qui est la tombe, qui est là-dessous, une grande salle creusée dans le rocher, et auquel on accédait par un puits. On voit là, en gros, le système de ces villes des morts, qu'il ne faut pas du tout imaginer comme nos cimetières qui sont assez déserts. Hein. C'était des lieux de vie, un peu comme dans les cimetières musulmans aujourd'hui, avec des fêtes, avec la famille, avec les prêtres qui viennent, qui font des cérémonies. Et il y avait aussi des artisans, hein. Là, ça bruissait vraiment du bruit des marteaux, des pics, etc. Parce que c'était en perpétuelle extension. Dans la rue qui sort de terre, une découverte. Des céramiques, offrandes faites aux défunts pour qu'ils se nourrissent dans l'au-delà. Au soleil de midi, Guy Le Cuillot en dessine le profil. L'ombre projetée de la céramique permet de suivre ses contours à la perfection.
Des petites coupelles comme ça, on en a trouvé là au moins 150. Au moins 150. Et des petits vases comme ça, je dirais une dizaine, une quinzaine. Ça veut dire qu'il y avait des artisans qui les sortaient les unes après les autres? Ah oui, qui devaient faire ça, on peut imaginer, toute la journée, ou presque, oui, c'était assez facile, hein. Ils faisaient ça sur des tournettes, hein. c'est quand même tourné, et donc c'est facile, hein. un petit peu de terre, et puis pouf, le doigt, et puis c'était parti. Et les petits vases, ils sont tout aussi frustes, hein, quand tu regardes bien. Donc ça avait valeur finalement de poterie plus importante, et peut-être qu'il aurait grévé un peu plus le budget des gens qui venaient faire des offrandes à leurs défunts. Voilà ce que l'on peut voir et trouver en surface. Passons à présent à la partie cachée, à quelques mètres sous nos pieds. Cette dalle de ciment recouvre l'entrée d'un puits qui conduit à une galerie souterraine. Elle se trouve 2 mètres sous la rue. À gauche, les entrées de 2 autres puits. Et ce n'est pas tout. Ces dernières années, les entrées de 7 puits ont été repérées. 4 d'entre eux ont été vidés par les archéologues. Le plus profond mesure 14 mètres. 11 mètres pour ces deux-là, 5 mètres pour le dernier, qui n'a pas été entièrement dégagé. Au fond de chacun d'entre eux, une ou plusieurs tombes. Ici, une salle principale et 5 niches creusées dans le rocher. À l'intérieur, 3 sarcophages de bois et plusieurs en pierre. Ici, une multitude de chambres funéraires. Au centre, on a trouvé 2 sarcophages. Quant au troisième puits, il part dans 2 directions. Un minuscule caveau et son sarcophage. Et de l'autre côté, la grande galerie que nous évoquions il y a un instant. 12 mètres de long, 2 sarcophages de bois et un grand nombre de momies. Elles sont pour la plupart entassées du côté de son accès originel, aujourd'hui obstrué. À certains endroits, il y a plus de vide que de plein. Les parties creusées occupent 70% du sous-sol. Aujourd'hui, ouverture du premier puits funéraire. Profondeur 11 mètres, il a été vidé l'année dernière. Souvenez-vous. Dans leur progression vers les profondeurs, les archéologues ont découvert des fragments de sarcophages, par dizaines. Des fragments jetés dans le puits, dans l'Antiquité, au moment de son comblement. Une partie a été remontée l'année dernière, le reste a été stocké dans le caveau. Je vais vous devenir la vérité. This is the shoulder of the tabut, and the head was here. No, shoulder, and the hair, and the corpse in that direction. But we don't touch now. Very slowly, bash, we steward every pieces. Non, vraiment, le gros travail, ça va être rouvrir la cachette qu'on a recouvert par environ 40 cm de sable. Toute cette zone-là, sortir le petit sarcophage couleur vieil ivoire, coquille d'œuf, qui est très très beau, enlever le reste du mobilier qui restait en place, qui correspondait à ce sarcophage, et en dessous, on va voir, vous aviez déjà la dernière vue, la tête d'un énorme sarcophage qui fait certainement 1,80 m de longueur au moins, et ce qu'il y a en dessous ou à côté, évidemment, on ne sait pas combien d'inhumations ont été regroupées dans cette cachette. Ça, ce sera la grande et très belle surprise, indiscutablement. Cette tombe communique avec un immense dédale souterrain. Jean-Pierre l'a exploré en partie l'année dernière. Une chambre funéraire lui avait alors échappé. Alors, faut que j'enlève le casque, je passe pas. Aujourd'hui, il a trouvé l'entrée.
Ouf. Ah, il y a la céramique, tiens. Pas mal, ça. Ouh, ce sarcophage, dis donc, il est de taille. Eh bien, dis donc, c'est un sarcophage ancien empire, hein. Il a les tenons, les extrémités. Ah, ouais. La momie est là, je la vois. Elle a l'air dans un linceul. Je vois... Attendez. Une amulette, je vais voir si c'est une amulette. On saura tout de suite si c'est une amulette tardive, si c'est un squatter. Hop là, je l'ai. Hop. C'est un boudou chez petit. Donc c'est un squatter. Pas de doute. C'est une inhumation tardive. Je vais peut-être avoir autre moitié. Pourquoi ? Parce que le Chepti apparaît vraiment dans le cours du Moyen Empire, et puis il se généralise de plus en plus au cours du Nouvel Empire, devient systématique par la suite, y compris dans les tombes modestes. Mais c'est tout à fait absent de l'Ancien Empire. Donc ça veut dire donc, que ça colle pas. C'est un squatter qui a réutilisé un sarcophage de l'Ancien Empire. Néanmoins, tiens, le voilà, je l'ai. Voilà. Le petit personnage avec sa barbe. Oh, je ne sais même pas d'ailleurs si les deux sont en coïncidence. Hein. Enfin, en tout cas, on le voit très bien. Il a ses deux mains, il a sa petite barbe syrienne, là, son visage. Et il y a peut-être un nom sur le pilier dorsal. Bon, il faudra le nettoyer. On donnera ça à Catherine tout à l'heure. Qu'est devenue la momie de l'Ancien Empire? Ou bien ils l'ont vendue à un cuisinier chinois, ou bien ils l'ont simplement évacuée, purement et simplement, je crois que... On se fait des illusions sur le respect des morts des anciens Égyptiens. C'était vrai pour leur propre génération. Mais lorsqu'il s'agissait de réutiliser une tombe ancienne, on l'a réutilisée sans aucun scrupule. Ça s'est fait de manière tellement systématique qu'on le vérifie constamment. Est-ce que je pourrais te passer une céramique très pesante? Oui. Parce qu'elle est remplie et j'aimerais bien qu'on la vide en haut. On ne peut pas faire ça ici. Hein. Elle pèse, je sais pas, 10-12 kilos. Hein. Attention. Non mais vraiment... Attention, je te dirai quand je lâche. Vas-y, lâche. Je tiens toujours, je tiens. Je lâche. Personne au fond du puits, là. On y va. Pendant ce temps, Catherine remonte les fragments. La première planche, la plus grande, a sans doute été utilisée comme brancard pour transporter des corps jusqu'à leur lieu d'inhumation. Catherine fait le tri. Elle rassemble les fragments dont la décoration est similaire. C'est le reste de collier usé. Là, ça va être drôlement dur. Oui. De reconstituer. Là, hein. Oui, c'est pour ça qu'il fallait pas trop tarder, parce qu'on a certainement des bouts qui vont avec en haut. Qui vont se marier, voilà. Avec... Qui vont se marier avec les fragments qu'on avait déjà eu le temps de restaurer, de mettre en caisse l'année dernière. Enfin, là, il y a quelques grandes planches, mais beaucoup, beaucoup de petits bouts. Hein. Ouais. Voilà, pas mal. Pour enlever le pied de la momie qui est en dessous. Voilà, ben ça c'est un petit côté de sarcophage rectangulaire. À la fin de la journée, tous les fragments sont extraits du caveau. Ils sont ensuite regroupés dans un magasin. C'est ainsi que l'on désigne en Égypte les réserves d'antiquités. Là-haut, Marie-Françoise prend le relais. Bon, on va faire un essai de toute façon. Je pense que ça va être celui-là. Et c'est celui-là. On avait le choix, on en avait deux, mais celui-là, il colle. Voilà, on va pouvoir le remettre. Génial! Ah, c'est une chose qu'on n'a pas fait l'année dernière, parce qu'on n'a pas eu le temps. On a retrouvé les masques séparés. Évidemment, vous voyez bien que ça se désolidarise très vite puisque c'est que de la terre crue qui est peinte, posée sur une plaque de bois. Donc au moindre choc, finalement, ça se sépare et c'est parfait. On va pouvoir faire un collage magnifique. Bon, ben, je vais chercher de la colle. Il n'y a plus que ça à faire.
Au fur et à mesure, Catherine prend des notes. 42. Le plus de notes possible, le plus de détails possible, tout sera peut-être un jour information précieuse. Même des choses qui paraissent complètement aberrantes, on les note quand même, ça peut toujours servir après pour travailler. Parce qu'après, on a tout un travail en bibliothèque ou au Louvre pour essayer de trouver des parallèles et essayer de voir ce que c'était. Les parallèles des objets semblables dans d'autres collections. Et donc, vous apprendrez de cette comparaison? Oui. Et malheureusement, pour ce type de sarcophage, il y a très, très peu de parallèles. Pourquoi vous dites malheureusement en même temps, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, mais toutes les questions qu'on se pose ne trouvent pas forcément de réponse. Oh, il est bien grand celui-là. Peut-être. Oui, Gambale. Déjà, on n'arrive pas à les dater précisément. On a quand même un laps au moins de 400 ans, donc ça peut paraître énorme. À 400 ans? 300, 400 ans. On dit pudiquement basse époque, mais en fait, la basse époque, ça recouvre une période de, oui, 300 ans. Vous voyez, le système de... C'est un peu du Lego, voilà, ça se rentre et puis ça se... Ça, ils n'avaient pas beaucoup de bois, alors ils utilisaient tous les petits bouts, mais ils faisaient des assemblages vraiment très minutieux. Je pense que les Égyptiens, s'ils avaient eu du bois massif, ils n'auraient jamais fait de la peinture comme ça sur les sarcophages. Parce qu'en fait, à quoi elle sert la peinture? À masquer tous les petits bouts, on fait un enduit et puis après on décore et ça permet de cacher tous les petits morceaux, tous les petites... Et toutes les petites astuces comme ça. De... Donc ils font le Lego, ils mettent. Après ils mettent une couche de plâtre. Quand ils sont bien faits, on a parfois du tissu qui est posé sur le stuc. Le tissu est restuqué et ensuite ils peignent. Encore un qui a retrouvé sa tête. Beaucoup de suppositions, peu de réponses. Ces sarcophages sont de véritables énigmes. Aucun nom, aucun titre inscrit sur les couvercles. En une semaine, Marie-Françoise et Catherine en réassemblent une vingtaine. Chacun d'entre eux est alors emmené de l'autre côté du site, sous la tente où s'est installée Nathalie, la dessinatrice de la mission. Tous les fragments sont réunis en un seul dessin. Il y a toujours des parties manquantes. Mais l'ensemble, une fois achevé, donne l'illusion d'une œuvre d'art à l'intégrité retrouvée. Un puits de 14 mètres de profondeur, une tombe où reposent trois sarcophages de bois. Ouverture du deuxième caveau. Celui-ci est étudié par Guy Le Cuillot. Sur le sarcophage là, qui était au visage doré, là, on n'a pas eu le nom l'année dernière, donc on va essayer de nettoyer la partie qui était couverte de résine pour enfin avoir le nom. Et puis on a à côté un sarcophage qu'on n'a pas encore ouvert, donc qui reste à faire. Donc, c'est encore des surprises à venir. Espérons que ce sera de bonnes surprises. Il y a combien de sable? Il doit y avoir peut-être 2 mètres de sable. Alors, pas énormément. Du sable versé dans le puits à la fin de la saison dernière. De façon à obstruer l'accès au caveau pour raison de sécurité. Une demi-journée pour le retirer. Ensuite, Oussama, le responsable égyptien du site, descend dans le puits. Ok. On casse le mur de briques construit en fin de saison dernière. Ultime verrou avant l'entrée dans le caveau. Un enfer de poussière. Ça va. Une demi-heure plus tard,
l'entrée dans la tombe. La voici un an plus tôt, telle qu'elle fut découverte. Des dizaines de momies, des pilleurs dans l'Antiquité, avaient profané les corps. Momies sous lesquelles se trouvaient deux sarcophages, dont un véritable chef-d'œuvre. Depuis, Guy les a entièrement dégagés. Dans la tombe, le désordre s'est terminé. Le sarcophage au visage doré va remonter dans 3 jours. Il a un rendez-vous à ne pas manquer. Ensuite, Guy s'occupera du second sarcophage. Il appartient à une femme. Elle s'appelle Nebujat. C'est inscrit sur le couvercle. Raïs Ahmed. Hello. Yeah. You know Raïs Ahmed Guy. Great here? He's a specialist for promote. Now he will discuss with us about what he wants to protect. Yes. The sarcophage. Le Raïs Ahmed prend les mesures du sarcophage. Objectif, la fabrication d'une caisse dans laquelle il sera placé pour sa remontée. C'est une opération délicate quand même, non ? De le transporter. Oui, moi ça me fait peur, mais bon. On va prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'il s'abîme. Mais il a besoin d'un peu de restauration avant d'être empaqueté. À la jointure des planches, ça risque de sauter. La peinture risque de sauter, donc il faut la fixer un petit peu. Marie, on voudrait du paraloïde, de l'acétone, des cotons, des petites gazes et un pinceau fin pour pouvoir nettoyer. C'est de l'acétone. Voilà. Coton, gaz, pinceau, seringue. Tout ce qu'il faut pour nettoyer le couvercle du sarcophage doré. Une grosse tache doit être retirée avant son départ. Ce n'est pas Marie-Françoise qui va s'en occuper, mais des restaurateurs égyptiens. Le premier jour, il n'y en a qu'un, le responsable de l'équipe. Il doit dissoudre une coulure noire qui recouvre des hiéroglyphes, exactement à l'endroit où doit être inscrit le nom du défunt. From the head. Avant la remontée, il faudra également renforcer la caisse, dont les pièces de bois se sont dissociées. On commence par la tâche. C'est de la résine végétale, utilisée dans l'Antiquité pour rigidifier les corps momifiés. Donc ici, on peut imaginer que le prêtre, au moment des funérailles, a renversé sa casserolette pleine de résine chaude, en fait, hein, puisque c'était chauffé, et ça s'est répandu sur le sarcophage. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté réellement de cacher le nom du défunt par cette coulure de résine. Mais en tout cas, ça nous embête bien là, maintenant, parce qu'on ne sait toujours pas qui est enterré dans ce sarcophage. Compresse d'acétone après compresse d'acétone. Ça accroche, hein. Oui, ça. Ça accroche, mais à ce rythme, la tâche ne sera pas partie dans 3 jours, au départ du sarcophage. Or, Guy tient absolument à trouver le nom du propriétaire avant sa sortie du caveau. Aussi, le lendemain matin, il y a du renfort. 3 restaurateurs égyptiens sont désormais au chevet du sarcophage doré. Guy devrait être rassuré. Il est de plus en plus inquiet, car le temps est compté. On passe à la vitesse supérieure. Terminé les petites compresses de coton, on applique un cataplasme imbibé d'acétone pour dissoudre la résine. «
Entre deux applications, fixation des couleurs avant le choc de la remontée. Et surtout, on solidifie la caisse du sarcophage. Il est en train de mettre ça entre deux planches légèrement disjointes. Le menuisier descend, il va vérifier que la caisse en fabrication peut se glisser dans le caveau. Ça va. 24 heures sont passées. Guy enregistre le sarcophage. Sur ce registre, toutes les découvertes de la mission, depuis son origine. Is blue, lapis, and decorated with rosette. Et puis je termine en disant, à l'intérieur du sarcophage repose une momie en bon état, enveloppée dans un fin suaire. Voilà. C'est un peu comme déclarer sa naissance, quoi, finalement. Oui, c'est une seconde naissance. Là, maintenant, il va avoir un numéro. Il est officiellement enregistré. Entre-temps, les restaurateurs égyptiens achevaient leur travail. Le lendemain, Guy va enfin déchiffrer la totalité des écritures. La tâche a disparu, les hiéroglyphes sont apparus, mais le sarcophage n'a pas été personnalisé. L'inscription est stéréotypée. On espérait sous l'Osiris un tel trouver le nom, voilà, à partir d'ici. Et puis en fait, voilà, on a trouvé l'Osiris un tel, né de Madame un tel, fils de Monsieur un tel. Le bel inconnu, voilà, ou la belle inconnue, voilà comment on retiendra pour l'instant son histoire. Un instant de déception, mais Guy n'a pas dit son dernier mot. Visiblement. Une fois le sarcophage sorti, l'enquête va continuer. Ah, voilà. En fait, il n'y avait pas de sarcophage emboîté, mais on va l'emboîter dans un second sarcophage. Ah oui. Puis après, il va le. Did you do that before? Yeah. Several times. Yeah. Yes. And the result? Good. Nature is very good. Yes. And you have c'est vrai que eux ils ont une certaine expérience. Oui, quand même, oui, hein. ils ont l'habitude, quand c'est pas la première fois qu'on trouve des sarcophages en Égypte et qu'ils les transportent, mais ils sont moins anxieux que nous, je dirais. Oui, mais nous c'est notre sarcophage, voilà. Ouais, le plus beau en fait. Ouais, c'est notre rêve. On y est très attaché. On s'y est attaché. C'est parti. La caisse est acheminée près du puits pour être préparé. Aux commandes, le Raïs Talal fait équipe avec son frère, le Raïs Ahmed. Il ne manque qu'une personne et nous sommes au complet. La personne en question arrive bientôt en convoi. Le grand patron des antiquités, Zahi Awaz, veut assister à l'opération. How are you? Good to see you. Welcome aboard. Good, thank you. How are you, Dr. Zahi? I'm fine. And it's now you look like Indiana Jones. I do. Salam alaikum. Zakaria Sah. Zakaria Salah. Barku eh. Kweisin? Kif hi naqli ya tinqir tawut nahda? Wallahi? Tayeb, salam rijal. Salam alaikum. Un coup d'œil à la star du jour. Zahi Awaz l'avait vu l'année précédente. Il la redécouvre et il est conquis. Okay. Ça vient de Saqqara, c'est l'une des fouilles les plus récentes. C'est parfait pour le musée que nous allons ouvrir ici dans 2 mois. Sitôt Zahi remonté, l'échelle métallique est retirée afin de laisser passer la caisse.
For our visitor, first class visitors. C'est une consécration, disons, de notre travail. Voir ces sarcophages et ces momies exposées dans un musée égyptien. Oui, en fait, moi, c'est mon deuxième métier, donc je trouve que c'est le bout de la chaîne, en fait. On commence par fouiller, on étudie, on publie, et ensuite on expose ça pour, de façon à ce qu'un maximum de visiteurs puissent connaître et admirer tout ce travail. Ça contribue à la meilleure connaissance de cette civilisation. Zahi Awaz nous entraîne alors à 2 km de là. Le sarcophage doré ira au musée de Saqqara. Il va nous présenter deux de ses futurs voisins. Ici, il dirige l'équipe de fouilles. Une vingtaine de puits et un véritable trésor. Zahi l'a fait disposer sur les lieux de sa découverte. C'était quelques jours plus tôt. Un visage doré, de l'or cuivré qui lui donne ce caractère si particulier. Le cartonnage est parfaitement préservé, les couleurs rarissimes, le tout à plus de 2500 ans. Et ce n'est pas tout. Nous suivons Zahi à la rencontre d'une autre découverte, très récente elle aussi. Deux sarcophages, le chef-d'œuvre est dans celui-ci. Une résille funéraire intacte, exceptionnelle, car la plupart du temps, elles ont été déchiquetées par les pilleurs de tombes. Nous repartons vers le site du musée du Louvre. Entre-temps, le sarcophage a quitté son tombeau. Direction Le Caire, à 30 km au nord de Saqqara. Un véritable convoi s'élance vers la capitale égyptienne, encadré par deux voitures de police. La traversée de Gizeh, puis celle des immenses banlieues du Caire, 14 millions d'habitants. L'arrivée au centre-ville, la traversée du Nil et l'entrée dans la cour du musée. Le sarcophage est attendu. Dans ce camion, la momie va passer un scanner. Voilà.
C'est très émouvant, évidemment, de le voir surgir le jour, comme disent les textes. Il revient à la vie. Pour un instant, Guy a perdu le contrôle du sarcophage. Il le voit passer très vite, entre toutes les mains. Vous avez peur ? Oui. Pour lui, le moment est très important. Ses interrogations sont nombreuses. Le scanner va peut-être pouvoir répondre à certaines d'entre elles. Le scanner va montrer l'endroit où se trouvent les amulettes, s'il y en a à l'intérieur. Avec le roi Toutankhamon, nous avons trouvé une centaine d'amulettes à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Sous la 26e dynastie, on avait l'habitude de placer de petites amulettes dans certaines parties de la momie, et chacune d'entre elles avait une fonction particulière. Si nous connaissons l'endroit où elles se trouvent, on pourra comprendre leur rôle dans l'au-delà. En 5 minutes, la momie est prête pour l'examen. C'est rigolo d'ailleurs de remplir sa carte d'identité. Alors voilà la partie supérieure. Est-ce qu'on voit les corps? On voit le corps avec les os. Oui, les bras sur la poitrine repliés. Il est, tous les os sont les remplacent, hein, comme ça. Ah oui, ça c'est rigolo, c'est en tranche. Oui, on voit bien le... Ah oui, oui. Oui. Ah là, on est dans le cerveau, là. Tranche. C'est affreux. Il n'y a plus rien. Là, ici, il y a des coups au fond. Là, on a les dents. Les voilà. Dents. Oh, il a toutes ses dents, hein. Is young with the teeth. Ouais. Many teeth. Oui, on voit la poitrine. Ici, oui. Si, là, on voit très bien. C'est comme la déesse Nout sur les sarcophages, exactement. Donc c'est Madame Intel. Ou Mademoiselle. Madame ou Mademoiselle. C'est incroyable, on voit les tissus à travers les bandelettes. Et là, on apprend beaucoup d'une façon non destructrice. Il y a 100 ans, on aurait débandelletté. Alors évidemment, on aurait peut-être eu quelques informations, mais la momie était perdue. Là, elle est intacte. On connaît maintenant l'âge et le sexe du personnage. Guy en saura davantage dans quelques jours, une fois les résultats du scanner analysés. It's okay, no? Don't put down, please. No. Stand. Faut bien que les tenons rentrent dans les mortaises sans abîmer la momie. Bon, ben, on l'a fait, voilà, c'est fait. C'est rangé, on peut la ramener chez elle. Est-ce que vous êtes heureux? Pardon? Est-ce que vous êtes heureux? Heureux? Oui, je suis heureux, oui. Oui, oui. On a une nouvelle petite copine maintenant, voilà. Retour à Saqqara. Le sarcophage y sera bientôt exposé, dans le futur musée. Il est actuellement en construction, à l'entrée du site. Jusque-là, il sera stocké juste à côté, dans ce grand bâtiment, le magasin principal de Saqqara. Le lendemain, c'est là que Guy et Christiane vont l'examiner. Histoire de voir s'il n'a pas souffert et surtout de tenter à nouveau d'identifier sa propriétaire. Voilà. Eh bien, on avait mis du papier de soie. Le visage est intact. Le sarcophage comporte un pilier dorsal, deux colonnes inscrites. C'est la dernière chance de trouver l'information recherchée. On va se mettre sur les dos. Une lampe. Oui, Etel Dinesout. Oui, Etel Dinesout. Etel Nuzir. Nuzir, Mti Mentiu, Neb Yavido. Alors, c'est là où ça va se corser, en fait. Non, parce que, à mon avis, on va... Ah, l'Osiris, quelque chose.
Men. Oh, c'est un tel. C'est pareil, ouais, c'est un tel. Ouais. Un tel. Ouais, ouais, c'est la même bon, chose. Bon, bah, il n'y a pas de nom. Et garde tout son secret, voilà. Elle nous aura fait courir en attendant. Hein. On va voilà. La faire parler. On va la faire parler davantage. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens de la faire parler. C'est-à-dire que l'examen d'hier va donner déjà, d'autres informations. Plus de précision, certainement. Aucun élément supplémentaire sur la propriétaire. Guy relève tout de même les hiéroglyphes. Cela complétera la future publication de la découverte. Sitôt ce travail terminé, le sarcophage sera remis en caisse et il rejoindra les autres trésors du magasin. Entre autres, une momie et son masque de cartonnage, découverte récente d'une mission japonaise au nord de Saqqara. Moyen Empire, elle a près de 4000 ans. Toutes les découvertes reviennent ainsi à l'Égypte. Même règle pour les archéologues du monde entier. Trois jours plus tard, Guy est à nouveau sur le chemin du Caire. Entre-temps, le scanner de la momie a été examiné. Guy va maintenant chercher les résultats. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour, heureuse de vous rencontrer. Je suis le docteur Nawal Shafik, professeur de radiologie à l'Université du Caire. Je m'appelle Guy Le Cuillot, je suis l'auteur de la découverte de cette momie. Ah, c'est vous qui avez découvert cette momie si importante? Oui, oui, à Saqqara, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils ont retiré tous les organes du corps. Il ne reste rien à l'intérieur. Plus de cœur, plus de poumons, plus de système digestif, plus de cerveau. Et les reins? Non, pas de reins. Et nous avons trouvé quelque chose d'intéressant ici. C'est un objet métallique. Un peu comme un piercing? Oui, quelque chose comme ça. Il se trouve ici, dans la lèvre supérieure. Voilà les dents, ici. C'est ici, à l'extérieur. Une petite amulette. Une amulette, oui. C'est du métal, peut-être de l'or. Quelquefois, on trouve des petits morceaux d'or dans les yeux ou sur la poitrine. Nous avons trouvé un autre de ces objets dans l'abdomen, près de l'ouverture. Ici, c'est l'ouverture. Ça n'a pas de forme particulière. Au niveau de l'aine et près de la cloison nasale, deux endroits où les embaumeurs ont procédé à une incision. Les amulettes rétablissent symboliquement l'intégrité du corps. Au musée du Louvre, Guy nous montre des objets semblables, découverts sur des momies au XIXe siècle. De minuscules boules de cire, couvertes d'une pellicule d'or. Celle-ci était placée sur la poitrine d'une momie, à l'extérieur des bandelettes. Des feuilles d'or étaient quelquefois glissées dans les globes oculaires. Les yeux étaient le plus souvent retirés au moment de la momification. Quant à cette plaque de métal ouvragée, elle cachait une incision abdominale. Le chapitre du sarcophage doré refermé, Guy va se consacrer à Nebujat, sa voisine. Le couvercle est percé, sans doute un pilleur de tombe qui, sans s'en apercevoir, l'a piétiné dans l'Antiquité. Premier acte, l'ouverture. Ah, that's nice. Okay, it's beautiful. Il nous aura fait une belle surprise, la Nebujat. Ensuite, la restauration. La brèche est colmatée, on pratique une greffe sur le bois, de façon à camoufler l'opération.
Le masque était un peu abîmé, le menton était dissocié du reste du visage, le tout est recollé. Voilà. Et sitôt ce travail terminé, Guy se tourne vers le dernier sarcophage de la tombe. À l'inverse du sarcophage doré, les questions vont trouver ici des réponses. Voilà. C'est un moment important, hein, ça. Attendu, en tout cas. Hein. Ah oui, parce que Imhotep, hein, puisqu'il s'appelle Imhotep, a été le premier personnage à nous accueillir dans cette tombe. Quand on est descendu la première fois dans ce caveau, effectivement, on a rencontré son regard. Et en fait, c'est presque le dernier dont on s'occupe. On sait qu'il était enterré en l'an 2, premier mois d'inondation du pharaon Nectanebo II, c'est-à-dire le 21 novembre, 20 décembre 360 avant Jésus-Christ. On ne peut pas être plus précis finalement, hein. La fourchette est quand même très très précise. Nouvelle étape de cette campagne de fouilles. Un puits, vidé sur une profondeur de 5 mètres, et deux tombes. La première contient un grand sarcophage noir. La seconde, la grande galerie, deux sarcophages de bois, ainsi qu'un grand nombre de momies. Au 10e jour de travail, l'ouverture. Donc cette merveilleuse dalle, digne du mur de l'Atlantique, va être brisé en quelques instants par les Hercules que voilà. Vingt minutes pour retirer la dalle. Ensuite, ce sera le sable remis dans le puits à la fin de la fouille précédente. La meilleure sécurité, c'est le comblement du puits, enfin, le comblement partiel du puits. Il faut y descendre et ensuite évacuer ce sable. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, destruction du muret qui bloque l'entrée des deux chambres funéraires. Une demi-journée de travail plus tard, la voie est libre. 12 mètres de long, voici la grande galerie. À son extrémité, des momies entassées. Des momies sur lesquelles ont été déposées une corbeille tressée et des céramiques, objets qui ont sans doute servi au rite funéraire. Jean-Pierre inspecte les deux sarcophages et le plus fragile retient longuement son attention. À l'origine, son visage était couvert d'une feuille d'or. Il en reste encore des traces dans l'oreille droite. Il a l'air humide, hein, ça veut dire qu'il a absorbé une partie de cette humidité ambiante. Autrefois, il était beaucoup plus mat que ça. On se rend bien compte, nous-mêmes, on est extrêmement moite. Quand on descend ici avec un objectif d'appareil photo, on voit qu'il se couvre de buée très rapidement. Faudra-t-il, à la fin de la saison, retirer les deux sarcophages de la galerie? Revoici le Rai Sarmed, le spécialiste des extractions. 60 cm de large, celui-ci ne passerait pas dans l'ouverture. Il restera donc à l'intérieur. Question réglée, Jean-Pierre passe à l'action. Avec lui, Marie-Françoise et Francis, l'expert des rites funéraires. Opération étagère. Ah, ça fait du bien de se retrouver. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on va laisser prendre la photo. Il y a 10 momies, là. Alors, 10 plus 2, ça fait 12 momies. 2, 3, 4. Ah, là, il y a un tout petit aussi. On voit un enfant. Oui, alors 13. Il y a un baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des étagères à momies. C'est une nouvelle formule mobilière. Sur tous les bons catalogues désormais.
quelquefois à oublier qu'on est dans un cimetière. C'est vrai qu'on a exorcisé toutes les émotions, toutes les frayeurs de la première entrée dans le tombeau. La première fois, on parlait à voix basse. Instinctivement, quand on est rentré ici, d'abord on cherchait les mots, hein, on était un petit peu ému, ça va de soi, et on s'est mis à parler à voix basse. On est presque dans une salle de musée maintenant. Enfin, c'est l'impression qu'on se crée, qu'on se rassure. Le lendemain, transport de momies. Pourquoi ces masques? À cause des petites bactéries qui promènent. Ah oui, ça peut être toxique. Vous avez des champignons qui peuvent oui, mais se développer dans les poumons. Non, c'est très mauvais. Il faut faire prendre des précautions élémentaires. Ah oui, là, le fil. Ok. Les corps sont littéralement brûlés par les résines. Au moindre choc, ils peuvent casser. C'est éprouvant, mais au bout, il y a une récompense. C'est plein de sel. C'est du natron, en fait. C'est du produit pour en boire. On voit bien maintenant, on voit bien pour dessécher. C'est plein de sel. Dans le pot qui est cassé, là. Tu vois 60 jours. Les corps, hein. Oui, 60 jours dans la poudre de natron, hein, pour modifier. On a quelques manuels d'embaumeurs, de cette époque-là, d'ailleurs, d'époque très tardive. Il y en a un qui est conservé au musée du Louvre. Non, mais c'est incroyable. Et maintenant, on sait que ce n'était pas plongé dans un bain de sel, une solution de sel, mais qu'il y avait une grande table sur laquelle on mettait le corps. Et puis on le recouvrait de poudre, de sel en fait, de natron qui vient du Wadi Natron. C'est génial. On pourrait presque le goûter. Oui, bah vas-y. Pas de l'ali, hein. Non, c'est très intéressant. Sur les tomates. Quelquefois disloqués, quelquefois entiers, des fagots de roseau. Ça pourrait servir à quoi? Ben, ça peut servir de support, par exemple. Ça pourrait être comme des petites colonnettes pour supporter une tente, qu'on appelle la tente d'embaumement, mais on n'en sait rien, en fait. Cette tente d'embaumement, on en parle beaucoup, mais on en voit peu de représentations. Six fagots sont en bon état de conservation. 1,65 m, la taille d'un corps. On peut tout imaginer sur leur fonction passée. Christian, le photographe de la mission, prend un dernier cliché des céramiques en place. Jean-Pierre les a préalablement étiquetés. Francis peut maintenant les retirer. Il tient quelque chose. Donc c'est une bouteille. Non, elle contient que des rejets du plafond. Vide ? Elle est vide, en fait, oui. Oui, c'est des écailles de plafond, oui, pas oui. Toutes. Ok. Tiens, je vais prendre l'autre, alors, celle qui a avec le col... Oui. Oh, ça, c'est pour les 40 voleurs. J'ai collé un petit tésor à travers, hein, du bout du bras. Elle est parfaite. Les parois sont tapissées de couleur blanche. Elle aurait pu contenir du sel, aussi. Absolument intact. Qui a donc à peu près 2700 ans. Voilà. 22 céramiques. Certaines viennent de la Syrie et du Liban actuel, une région avec laquelle l'Égypte entretenait alors des relations commerciales. Toutes sont vides, à une exception. Des morceaux de linge en lin torsadé, assez grossier. Sous la tente de la mission, Francis examine son contenu. Un fragment de tissu. Dans une cache dans la montagne Thébaine, une de ces jarres contenait le set, l'instrumentarium d'un embaumeur qu'il avait abandonné. Alors, on a toujours l'espoir de retrouver ce type d'instrument, puisqu'on sait qu'ils sont très très rares, leur découverte est très rare. Voilà. Là, c'est intéressant, ça. Là, ça fait vraiment un ensemble. Ces morceaux de lin ont été utilisés lors de la préparation des corps pour éponger les humeurs. Comme le voulait l'usage, l'ensemble a ensuite été placé dans la tombe.
Étude de la galerie, première phase terminée. Ce soir, Roger et Martine arrivent de Paris. Le lendemain matin, ils sont sur le chantier. Martine est médecin, Roger radiologue. Quelle année? Montrez-nous. Ah, ça c'est vieux ça. Attendez, je vais vous dire. D'après le numéro, ça date de 1960. Ah oui. On l'utilisait comme matériel médical à ce moment-là. C'était destiné à radiographier les malades à leur domicile. On arrivait avec son petit matériel et puis on faisait de la radio au lit du malade. Ça se fait plus maintenant. Et à côté? Ah ben à côté, c'est la, c'est la source de rayons la X. Source de rayons X. C'est vraiment le plus lourd. Attention, Roger. Ça, c'est à partir de là que sortent les rayons X qui permettent de faire des radios. Depuis 30 ans, Roger radiographie les momies. Son premier client, 1975, une célébrité. Reçu à Paris comme un chef d'État le 26 septembre dernier, Ramsès II, logé au Musée de l'Homme, surveillé jour et nuit dans une chambre spéciale, climatisée, auscultée, examiné, radiographié par une vingtaine de spécialistes sous la direction du professeur Balou, la momie de Ramsès II devra repartir dans 5 mois environ. Les scientifiques français ont la tâche difficile d'arrêter la décomposition qui menace les restes de Ramsès II. Un homme, un demi-dieu, vieux de 32 siècles. Ensuite, Roger a enchaîné les missions en Égypte. Mais ici, c'est sa première intervention. Au fond de ce puits, Yarmès et son minuscule caveau. Ah, nous y voilà. Bienvenue à bord. Merci. Première étape, aménagement de l'espace. Regardez comme il est content. En plus. Ben voilà, on voit ce qu'il y a dessous. Très bien. À mon exil, c'est un sarcophage très cher, parce que d'avoir une pièce de bois unique de ces dimensions, ça reflète un personnage très fortuné. Parfait. Tony ? Allez. Ah, 1 mm près, hein. Allez hop. Oui, tu vas être surpris, il fait 168. Ah, quand même. 168, mais avec un sarcophage de plus de 2 mètres de long. Ah oui, non, ça, c'est pas. Il le remplissait pas. Il le remplissait pas. 168, je suis étonné. 168, oui. La moyenne chez les hommes était plutôt 1m60, et les femmes, c'était 1m45, 1m50. Donc 1m68, ça déjà, ça confirmerait qu'on a affaire à un monsieur plutôt qu'à une dame. C'est des vraies bandelettes, ça, je veux dire, avec un non, petit ourlet. Non, tout à fait. Ce sont des bandelettes constituées de bandes de tissu déchirées et repliées de manière à former apparemment une c'est bandelette. Ça, c'est ce qu'on voit là. Mais ce ne sont pas des... Ah ben oui, on le voit là. Voilà. Ah oui, oui, oui. Un petit coup de fer à passer voilà. Et ça remplace l'ourlet. Manœuvre terminée, descente du matériel. Il est parfaitement adapté à l'étroitesse des lieux. Après, il faut les appareils. Et là, notamment, chez les dents, c'est mon boss. Attends, pas trop près. Prêt, d'accord. Voilà. Ben, ça va, c'est bien. Ça s'est mis spontanément en place. Regarde, c'est génial. Oui, oui. Alors maintenant, on va faire ce. Tu vas faire combien, tu crois? Elle doit être très sèche et très mince. Oui, 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 il n'y a rien. Tu fais combien de minutes? Tu fais combien de secondes, pardon? 10 secondes, ça devrait largement suffire. On y va. Ensuite, retour à l'hôtel où loge toute la mission. Tiens, t'en jettes plein. Ah, tu préfères, bon, d'accord. On fait la chaîne. Ouais. Moi, je prends la moins lourde. Roger et Martine installent leur chambre noire pour le développement des radios dans leur salle de bain. Pas. On fait de l'archéoradiologie. Puisqu'on fait de l'archéologie et on utilise des archéométhodes. Ça, c'est la même chose qu'il y a
Un siècle. Vous pouvez tourner ? Oui, oui. Dans 5 minutes, le résultat. On peut allumer le fluo aussi, si on peut, on verra mieux. Là, c'est opaque, donc l'hypnoïde. Là, il y a la cloison qui a été un peu cassée, apparemment. Donc, il y a des chances que cette opacité reflète la présence de résine. Enfin, on le verra quand on aura fait le profil. Et les dents ? Les dents, ben les dents, elles sont quand même un peu abrasées. Hein. Parce que les dents étaient abrasées très vite. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient du pain dont la farine était fabriquée avec des meules de pierre. Et on sait, entre autres, que si on ajoute un petit peu de sable dans le blé, ça améliore l'efficacité du système. Ça devait leur provoquer des rages de dents épouvantables. Et il devait en mourir, il devait mourir auprès de septicémie. Un abcès dentaire, ça peut faire une septicémie, on peut mourir de ça. C'est ce qu'on a dit à propos de l'abcès. On ne le sait plus maintenant, on ne le sait plus tout ça, puisque c'est des pathologies qu'on ne voit plus. Oui, non, c'est revu, c'est un bassin d'homme, ça, tu vois. Ah oui, parce qu'il est étroit. Il est étroit, il n'est pas... Ah oui, c'est typique. C'est pas émouvant de le retrouver 3000 ans plus tard. Peut-être pas 3000 ans, mais enfin... Ça me fait quelque chose. Bon, alors... Ça me fait quelque chose. Et ses mains, eh ben, ses mains, elles sont entre ses jambes. Hein? C'est typique d'un homme aussi, ça? Ah oui, en principe, les femmes, elles gardent les mains sur les hanches. On voit encore l'individu derrière la momie, quoi. Tiens, donc, et comment ? Ah, on devine tous. On a des petites filles qui sont charmantes, on a des messieurs impressionnants, on a des dames séduisantes. On a vraiment, dans notre collection de momies, c'est un portrait de famille. Une véritable population. Oui, absolument. C'est un portrait de famille. Et c'est ça tout l'intérêt. Là, le reste, c'est du pipeau. Enfin, toutes les extravagances qu'on a pu raconter à propos des momies, les revenants, etc. Enfin, bon. Oui, tout ça, ça c'est de la fantaisie. Mais en revanche... Étudier des populations qui ont disparu depuis longtemps et puis d'essayer de voir comment ils vivaient, comment leur mode de vie retentissait sur leur anatomie, sur leur squelette, etc. Ça, c'est intéressant. Michel, j'arrive. Oh, non, tant pis, t'arrives trop tard. Ça va, je me débrouille. Ça devient très bien maintenant. Le lendemain, les choses sérieuses commencent. On couvre bien. La galerie et ses dizaines de momies. Première à la radio, Bastet Irdis, propriétaire du sarcophage à l'oreille dorée. Petite momie, je vais te remballer, c'est tout. Voilà. C'est un peu étrange pour ça. Ah, elle est toute petite. Quel âge à peu près ? Une dizaine d'années. On l'a évalué comme ça rapidement à un âge compris entre 8 et 10 ans. Elle est très très fragile. On connaît des momies qui sont beaucoup plus robustes, qu'on peut mettre debout contre une paroi. Mais là, si on essaye de faire ça, elle doit tomber en poussière. Retour au sarcophage ? Oui, absolument. Ouais. Là, j'ai les pieds qui dépassent. Non, voilà. Il était à peu près dans cette position. Ouf. Voilà. Le sarcophage de la petite fille refermé. Attention les pieds. Voilà. On passe à Pénou, son voisin. Pied de la momie. Bon, et faites attention aux barres de bois. Ne trébuchez pas. Problème, la momie est encore plus fragile. Il est lourd celui-là, j'ai l'impression. Il est lourd. Oh. Je refuse. Comment tu refuses ? Je refuse de qu'on la bouge. Elle a fait un bruit. Non, elle a fait elle un a bruit craqué. De... Non. Normal.
Bah, c'est surtout des momies qui ne sont pas vraiment des momies très bien faites, donc forcément... Mais elles sont faites comme elles sont faites, c'est ni pied ni mal, simplement, c'est pas des momies qu'on bouge facilement et on fait plus. Attends. Bah, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait. Ils n'étaient pas faits pour être bougés, de toute façon, une fois qu'ils étaient enterrés, ils restaient pour l'éternité. Oui. On va le toucher quand même, s'il vous plaît, je vais demander, on est une mission du Louvre, on a un devoir de respect, c'est un objet magnifique, il ne faut pas l'abîmer, voilà, c'est tout ce que je pense. On va le faire autrement. Je vais demander poliment, est-ce qu'on peut ne pas toucher, est-ce qu'on peut avoir une question qui n'a pas de réponse. Eh bien, on peut très bien avoir une question qui n'a pas de réponse, maintenant. On n'est pas équipé techniquement. Si, on va le faire autrement, c'est tout. Ah ben, si tu trouves une autre manière de le faire... Eh bien, d'accord. Mais alors, il faut tout refaire. Il faut refaire des étais, remettre la source là-haut. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas, comme vous êtes installé, faire à la toule les autres? On va faire à la toule les autres, mais celle-là... Une fois que vous aurez bien réfléchi au... Oui. OK. Eh bien, garez-vous. Ah, c'est vite dit. Bon, ça y est, c'est solide? Oui. Les momies du fond de la galerie, il y en a encore une bonne dizaine. En deux jours, Martine les retire et les emmène au cabinet de radio. Sans le savoir, elle fait place nette pour la future découverte. La radiographie de Bastet-Irdis, la petite fille. Des stries de croissance, signe de malnutrition. On en retrouve sur la majorité des momies. On avait l'habitude, quand on momifiait les enfants, de fortement fléchir la tête sur le thorax. Et on en a ici un bon exemple. Vous voyez le menton, on devine. C'est spécifique aux enfants. Oui, pratiquement. Les adultes ont leur tête détendue, relevée, tandis que les enfants sont toujours dans cette position. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Le lendemain, au petit matin, Jean-Pierre fait de la menuiserie. Dernier préparatif pour l'installation du cabinet radio. Spécial Pénou. On y va ? Il ne bougera pas de son sarcophage. Voilà. J'y vais. Alors, ça me rappelle le numéro que je faisais au Cirque Medrano jusqu'à l'hiver dernier. C'était moins difficile. Alors, les petites cales de 11,7 faibles. Voilà. Parfait. Faire surtout attention aux jeunes pénoux. Oui. Hénac. D'accord. Aïe, voir. Fort. Hop, 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 hop. Bon, là, on est dans l'axe du thorax, là. Hein. Tu vois son cœur qui palpite. Hop. C'est bon. Je descends. Chocolat, Nigamal. Oh, là, c'est bien construit. Ah ben oui, tu nous as abandonné. C'est comme ça, c'est un laboratoire ici. Ah mais ça va très bien ça. Ah, Penou, t'es content comme ça. C'est très bien fait, félicitations. Ça marche ? Oui, très bien. Voilà. Ah, il a des belles dents. Il a des dents impeccables, donc il est jeune. C'est un adulte jeune. Il n'a pas 30 ans, ce monsieur. Voilà de beaux fémurs et de beaux genoux. Et on ne saura pas de quoi il est mort. Ça, il n'y a pas beaucoup de chance, non. À 30 ans, on peut mourir de tas de raisons. De pneumonie, de... Oui. Ce que tu veux, de maladies infectieuses. Oui, tout ça. Les maladies infectieuses ne laissent en général pas de traces. Il y avait les maladies parasitaires aussi, j'imagine. Oui, oui. Mais là, on peut les voir quelquefois. Hein. On peut voir une filaire dans le poumon, on peut voir une bilharziose dans la vessie. Oui, on peut voir des maladies. Il n'y a pas. Mais il n'y a pas. C'est un bel homme, il n'y a pas la moindre trace d'arthrose. Il n'aurait pas dû mourir. Dernière étape pour l'atelier radiologie. C'est censé être une formalité, l'examen de l'un des deux loculi de la galerie. Il faut voir s'il y a un petit trou par la balle au bout. Waouh. C'est beau, hein.
Ah, c'est beau. Attention, attends. Elle a manifestement été fermée à la hâte, puisqu'il n'y a aucune trace de plâtre. On avait simplement calé les pierres, ce que je viens d'enlever là, avec des petits coins. Ah, encore un nœud. Voilà le petit bonhomme. Le plus, ça veut dire quoi ? Cavité, c'est le trou. Ça veut dire petit endroit. Ça locus. Désigne également une chambre. C'est la chambre à coucher, c'est le loculus. Ouais. Elle fait encore 1m71, hein. C'est des gaillards, hein. 1, 2, 3. Oui, oh, d'accord. Elle est collée. Bon, on n'est pas dans les nages, là, naturellement. Elle est, elle est lourde. 1, 2, 3. Oh, on est bon. Il y en a une autre en face. Attends, on va essayer encore. Non, on va glisser le bois comme une lame de couteau. Non, déjà qu'on ne peut pas la sortir. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de soulever avant de mettre le bois? C'est bon, passe. Moi, je protège les pieds, voilà, ça va bien. Il est lourd comme le diable. C'est effrayant. Hein. Allez, mon petit Maurice, fais quelque chose, enfin. On fait tout le boulot, là. Voilà. Attention, le bois. Voilà, faut bien laisser le bois appuyer. Mais il est lourd comme le diable. Attention, ça ploie. Non, ça va, voilà. Juste mais ça ne rompt pas. Voilà. On pose là. Prêt à poser. Prêt. Ce qui nous paraissait d'une simplicité. Mais oui, c'était... Angélique, bah du tout. On est tombé sur un obèse. Je sais pas s'il est obèse. Mais voilà, on a l'explication de l'inamovibilité de cette momie. C'est qu'elle est vraisemblablement, comme l'a fait remarquer Martine, elle a dû être mise en place alors que les résines, les baumes étaient encore fluides, plastiques en tout cas. La résine a coulé à deux endroits, essentiellement ici. On a une grosse tache de résine qui est encore brillante. Une autre au niveau des épaules. Et là, ça c'est littéralement... soudé à la pierre, ça a fonctionné comme une résine, comme une araldite. Hein. Et ce qui explique qu'effectivement, on ne pouvait rien bouger du tout. On a même enlevé, c'est-à-dire la puissance de collage, on a même enlevé un petit fragment de pierre qui est resté collé au postérieur de la momie. Vraiment très bien fait. Hein. Des grands sphères, des bandelettes, un joli petit croisement. Il y a une bandelette qui est tombée. Là. Celles du fond sont beaucoup plus modestes comme bandelettage. C'est un bandelettage systématique à la va-comme-je-te bandelette. Alors qu'ici, il y a un ordre. Ça ressemble un petit peu au bandelettage de Yarmès. Un petit peu, voilà. De Yarmès, c'est-à-dire du grand sarcophage noir qui est dans le caveau d'Alcoumé. Oui, tout à fait. Il faut faire de l'acrobatie ici. Hein. Un, deux, trois. C'est pourtant vrai. Les pieds, ça ne va pas. Les pieds, ça ne va Pardon, pas. Pardon, je tire vers moi, tu me diras. Les pieds, ça va. Ça va, là? Oui. On va pousser le jeune homme. Un, deux, doucement. Trois. C'est l'extérieur. Le meilleur endroit pour elle, c'est de retourner chez elle. Servi la science. Puis ben, je voudrais même qu'on remette des pierres à leur place. Il y a trois petites pierres au-dessus des pieds. Oui. Bien les serrer les unes contre les autres, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais... On fait comme eux, hein. C'était déjà bricolé. Attends, ton doigt. Ça tient à peu près. Tu l'enfonces pas trop. Voilà. 2 mai 2005. Radiographié. Oh, pardon, excuse-moi. Tu mets ta lettre dans la boîte. Ouais. Voilà, vas-y. Il y a la levée tous les... C'était à 6h que je vais la lever. Oui. Eh ben, ça va. Voilà. C'est des archéologues... De l'an futur, là. Pour les archéologues de l'an futur. Voilà. Ah bah c'est bien. Et on va plâtrer. Pour faire mieux que ses lointains prédécesseurs, Jean-Pierre demande ensuite aux maçons d'intervenir. Histoire d'assurer aux défunts une seconde éternité. Au total, Roger et Martine radiographient 9 momies. L'âge moyen, l'état de santé général des individus avant leur disparition, éventuellement la cause de la mort. L'expertise continuera ensuite à Paris. Il y a parmi eux bien plus d'hommes que de femmes. Dans cette partie de la population, pas la plus favorisée, peut-être n'avait-elle pas accès aux mêmes conditions d'inhumation.
Troisième puits, troisième semaine de fouilles. Le puits H et ses deux sarcophages encore ensevelis. Il y a un an, voici ce qu'on y avait découvert. C'est d'abord un petit sarcophage qui a émergé du rocher. Puis un autre, beaucoup plus volumineux, a été repéré. Le temps manquait, la fouille allait bientôt s'arrêter. Les objets sont restés à l'endroit où ils se trouvaient. Cette année, on va les dégager. Et il n'y a pas d'électricité, Jean-Pierre? J'ai mes lampes. Non, puis les deux puits éclairent largement, on y voit... Sans aucun problème. Allez, content de vous avoir connu. Ramadan. Bachman, de ce gars, il a cap. Eh bien, nous y voilà. Ma fiche carre. Ma fiche carre. Voyons dans quel état de santé se trouve ce jeune homme ou cette jeune fille. Il était bien protégé, ça n'a pas bougé du tout. Oui, les couleurs sont restées bien fraîches. Aucun problème de ce côté-là. Action. Ramadan, l'ouvrier le plus précautionneux, se met au travail. Aussitôt, problème. Le flanc gauche du sarcophage est prisonnier du rocher. On va employer les grands moyens. C'est maintenant au raïs de jouer. Sous le rocher, de nouvelles peintures apparaissent. Oh, regardez les couleurs, là, comme elles sont beaucoup plus claires que les autres. C'est protégé. Oui, Aïwa. C'est la scène du jugement dernier où vous avez le mort qui arrive devant le dieu des morts Osiris, le juge. Il est devant un tribunal. Et là, vous avez le dieu à tête d'ibis, le dieu Thoth, qui est en train d'enregistrer. C'est le greffier divin. Et derrière, vous avez une bête monstrueuse qui dévorera le défunt si le jugement lui est défavorable. Donc c'est une scène très importante, c'est l'équivalent de notre jugement dernier. C'est reparti. Les pieds du sarcophage sont eux aussi emprisonnés. Par chance, le tafla, la roche friable de Saqqara, se détache facilement. Ramadan. Il faut que Marie-Françoise descende maintenant. Elle doit intervenir sur place. Ah ben oui, ah ben absolument, oui, oui. On se dit toujours, le moment du dégagement d'une découverte, comme ça c'est magique, et en fait il y a plus d'inquiétude qu'autre chose. Ben, oui, il y a beaucoup de stress, il faut absolument le sortir dans les meilleures conditions, et voilà, bon, ben c'est quand même spécialement difficile. Hein. On ne voit pas très bien pourquoi il est encastré comme ça dans le tafle, mais ça ne nous facilite pas la tâche. Hein. Vas-y, assieds-toi, viens. Après le déjeuner, Marie-Françoise doit vaincre ses appréhensions. Parce que moi je vois le vide. Non, tu ne le regardes pas, tu me regardes. Vas-y. Ce puits, à la fois large et profond, est particulièrement impressionnant. Tu descends avec tes pieds, tout doucement, tu prends ton temps, là, tout le temps, et tu regardes en haut, regarde la paroi, mais surtout pas tes pieds. J'arriverai jamais à remonter. Elle va pouvoir aller s'occuper du sarcophage. Et elle va être contente. Elle va remonter. Oui. Quand elle sera remontée, je crois. La salama. Les premiers soins au sarcophage. Marie-Françoise applique du consolidant qui stoppe la dégradation des couleurs.
pour un instant, elle retrouve leur éclat. 25 siècles comme effacés d'un coup de pinceau. Un nid de perles. Les restes d'une résille funéraire placée autrefois sur une momie. C'est-à-dire qu'il faudra après s'occuper du dos parce que pour l'instant, il est inaccessible. Les nuits sont fraîches, il vaut mieux couvrir le petit. Merci. Comme dans les grands hôtels, on est trois pour faire le lit. Ah, ça coince. Je suis coincée. Ah oui, redescends. Ah. Allez, voilà, c'est bon, c'était dans le... Ça va pas, ça. Si, tout va très bien. Continue. Elle est arrivée. Ouais. Ah oui, ça fait plaisir. Elle va redescendre samedi. Ça qui sera bien. J-2 avant la grande découverte. Jeudi soir, début de week-end, Marie-Françoise est invitée chez Ramadan. Il habite tout près, dans la Palmeraie. Je suis à la fois propriétaire terrien, cultivateur et fouilleur. Je fais les trois métiers à la fois. Je fais tout en même temps. Je travaille dès l'aube sur la fouille. Et quand je rentre à la fin de la journée, je cultive mes champs. Et le vendredi, jour de repos, je consacre tout mon temps au champ et à la maison. Voilà. Est-ce que tu racontes à ta femme ce que tu fais sur la fouille ? Non, la coutume dans le domaine des antiquités, c'est de se taire. Non, je veux pas qu'il me raconte. Je peux montrer quelques photos à ma famille, mais c'est tout. Tout ce qui concerne ce qui sort des puits, c'est un secret absolu, on ne dit jamais rien. C'est notre règle. On dit chez nous que lorsqu'on sort du puits, c'est comme si on était mort. Quand tu sors, ce que tu as vécu en bas est mort avec toi. Et le lendemain, ça recommence. Quand je sors du puits, je secoue mes vêtements, je secoue toute la poussière sur mes vêtements. Comme ça, si les hommes de la sécurité me fouillent, ils ne trouvent même pas un grain de sable. Parce que la sécurité est très soupçonneuse. Ils peuvent penser que l'on a dérobé un objet. Alors mon habitude, c'est de secouer mes vêtements et de cracher par terre, pour bien montrer que je n'ai rien dans la bouche. Le surlendemain, retour à la fouille. L'équipe attend cet instant depuis un an. Hop. Et alors ? Oh, c'est super ! Ouais. Magnifique. C'est un morceau de caisse ou un morceau de sarcophage ? Et une caisse, un sarcophage rectangulaire, un cercueil à notre manière. Voilà. Parce que les sarcophages étaient gigognes, souvent. Vous aviez un sarcophage rectangulaire, puis un sarcophage en forme de momie. Et dessous, peut-être un cartonnage. Si on peut le remuer, le glisser sur le contreplaqué, tout le contreplaqué, on le fait riper par là,
on le lève et on le garde dans cette position, la tête par là, et on vient le mettre sur le petit matelas de sable qu'on vient de préparer. Il a comme une tarte. Oh, il y en a un magnifique en dessous. Aïe, on voit le décor là. Voilà. Il y a des plumages dessus. Regardez le vautour. Non, une dame avec des beaux yeux. La déesse du ciel, ça renaît. Même dans Fellini Roma, hein, dans le métro, on n'a pas vu ça. Alors, ici, il y a... Voilà. Regarde. Ah, voilà, on est au milieu, là. Intact. On a une belle barbe. Super. Ça valait le coup d'attendre un an pour trouver ça. Là, c'est la barbe recourbée du dieu Osiris, le dieu des morts, Osiris. Beaucoup de sarcophages ont une barbe, c'est une barbe funéraire. Vous avez même des femmes à barbe, beaucoup. Hein. Fais attention. C'est un obèse. Regarde ce bidon qui se paye. Donc c'est un gros. C'est un... Moi, je ne pas trop sur les pieds. Un riche personnage. Léger. Une photo pour la documentation et la fouille reprend. Autour du sarcophage, plusieurs statuettes funéraires, les Ushepti. L'année dernière, l'équipe en avait retrouvé plus de 150. Oui, c'est des tout petits morceaux. Ça ne va pas être une mince affaire de le sortir. Non, j'imagine que ça va prendre encore au moins une journée. Il est certainement beaucoup plus lourd que le sarcophage qui était à couche supérieure. Et puis, il ne faut pas casser la cuve, donc ça va être compliqué, mais on va y arriver. Je dirais qu'il y a du bitume dans le noir parce que ça... Oui, de loin ça brille, c'est ça presque en relief. Un peu. Oui. Ouais, c'est du bitume. Un geste très moderne en fait. Elle tire sur ses plumes. L'année dernière, on avait aperçu le visage du sarcophage. Mais personne n'avait imaginé pareille dimension. La fin de la fouille approche. Pour raison de sécurité, le sarcophage devra bientôt remonter. C'est pourquoi Marie-Françoise multiplie les consolidations pour assurer une meilleure résistance de la peinture. Je suis en train de regarder, je vois la séparation de la cuve et du couvercle. Il est béant, là, il n'est pas fermé. Il y a toute l'épaisseur de la cuve encore qu'il faut dégager. La question, c'est aussi ce qu'on va voir en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose ou si ça s'arrête là? Je pense que ça ne s'arrête pas là. Ça sera pour l'année prochaine. Rapidement, les responsables du site sont mis au courant. Ils viennent voir la nouvelle découverte et préparer sa sortie. La tentation est irrésistible. Pour un instant, le Raïs Ahmed veut participer. Ah, merci.
Ça fait tourner toutes les têtes parce que malgré les nombreuses découvertes faites à Saqqara, on n'a pas tout de même, toutes les semaines, ni même tous les ans, l'opportunité de trouver un sarcophage aussi bien décoré et aussi parfaitement conservé, aussi frais. Il est évident qu'on voit les couleurs telles qu'elles étaient pratiquement le jour de l'inhumation. A lot of beads. Yes, shuf, beads. We remove it after. En une heure, une dizaine d'ouchepti et une bandelette inscrite ont été exhumés. Retour au calme. Jean-Pierre fait les plans du caveau et Ramadan continue de dégager sur les côtés. Donc c'est une fosse. Une fosse relativement exiguë, mal taillée, puisque aucune des parois n'a reçu le moindre ravalement, le moindre piquetage, ce qui est facile à voir en comparant ce qu'il y a au-dessus. On a l'impression que ça a été éclaté à la masse, de manière extrêmement sommaire. Donc on peut imaginer qu'au total, la fosse avait sommairement environ 2,30 m de longueur. Très approximativement, parce qu'on voit que les bords sont extrêmement irréguliers. L'équipe espérait un caveau plus profond, avec davantage de matériel. Mais peu importe, deux sarcophages, c'est déjà un très beau cadeau. Le lendemain, les événements s'accélèrent à nouveau. Zahi Awaz, le patron des antiquités égyptiennes, est de retour à Saqqara. Direction le puits H, pour l'ouverture du nouveau sarcophage. Bonjour, docteur Zahi. Bonjour. Every day you open something. La momie a été endommagée dans l'Antiquité. Christiane, ça a été ouvert avant. Hein. Oui, mais on voyait très bien qu'il y avait un écart de quelques centimètres entre la cuve et le couvercle. Donc il a été visité avant. C'est certain, ça n'est pas en bon état de conservation. It seems that humidity did affect the body. Because if you look at... Yeah, it's humidity. Un instant de déception, très vite oublié. Marie-Françoise se remet au travail. Dernière consolidation avant la remontée. Dans l'au-delà, le défunt a été divinisé. Chacune de ces scènes associe une partie de son corps à un dieu. Le dos à Geb, la poitrine à Neit, les dents à Selket, les yeux à Hathor. On referme le grand sarcophage. Le petit sera le premier à quitter le tombeau. Papier Japon. Coton d'Égypte. Mousse protectrice. En 5 minutes, il est mis en caisse. Le tout pèse environ 100 kg, attracté sur 11 mètres. La caisse ne heurte pas la paroi. C'est gagné. Aussitôt, il est emmené au magasin du haut. L'enquête le concernant n'est pas terminée. Il a été bien emballé par le rein Sarmet. On voit la différence entre ce qu'on a vu l'année dernière, la couleur de l'année dernière, et ce qui a pâli
sur le dessus. Voilà, sur le dessus. C'est parce que les côtés étaient encore engagés. Les côtés étaient dans le sable. Sous le sable. Voilà. Toute fouille pose ce problème, bon, jusqu'à quel point on peut détruire les témoignages du passé pour mieux les étudier. Hein. Encore là, bon, on va le conserver, Marie-Françoise le consolide, les couleurs vont être fixées. Mais le problème le plus, je trouve, le plus grave, c'est quand on va de la surface vers les couches les plus anciennes, parce que quelque part, c'est quand même une activité destructrice. C'est pour ça qu'on a gardé là-bas des vestiges des constructions COP qui sont les plus récentes sur ce terrain, parce qu'ailleurs, on a été obligé de les démonter pour atteindre les couches les plus anciennes, le cimetière du premier millénaire, puis ensuite, quand on va vers l'ancien empire. C'est pour ça qu'on prend notre temps, je répète tout le temps, mais on prend le temps, on documente au maximum, on fait des constats, on photographie, on dessine, on relève tous les témoignages, parce qu'on sait que ça ne sera plus jamais comme avant. Des remontées de sel atténuent l'éclat de la peinture. Un peu de consolidant, et elles sont de retour. Elles ne sont pas perdues. Bon, alors maintenant... Tout le monde au large, parce qu'on va faire des X quand même. Suite de l'étude de l'objet, Roger et Martine font la radio. Pour éviter tout dommage, le sarcophage n'est pas ouvert. Inutile, ouais. On verra tout de même ce qui est à l'intérieur. Le gros sarcophage, c'est le grand jour. C'est difficile, c'est un travail technique. C'est dur de manipuler un objet comme celui-ci. Il n'y a pas que les muscles qui comptent. Il faut savoir aussi réfléchir. Y aller très doucement. Ce sont des antiquités, il faut être très précautionneux. C'est du bois, il y a de la peinture, c'est fragile. Est-ce qu'il a peur en faisant ce genre de choses? Bien sûr que j'ai peur. Mais il faut avoir peur pour faire correctement ce genre de manœuvre, pour que ce soit impeccable. On fait tout pour que les choses se passent bien, mais le destin a toujours le dernier mot. Première phase, un treuil hisse le sarcophage. Treuil qu'il faut ensuite retirer pour faire basculer la caisse à l'extérieur du puits. Dans le tombeau, il ne reste que quelques perles qui se trouvaient sous la cuve. Ça paraît vide, hein? Ça paraît vite, ça fait grand maintenant.
Il est parti. C'est fini. Il ne reviendra plus. On le verra peut-être surgir dans le musée un jour, avec les autres sarcophages de F-17. Quand même. On avait l'impression, malhonnête d'ailleurs, d'être propriétaire de quelque chose, et l'objet retourne à ses légitimes propriétaires en réalité. Mais il a quitté son domicile. C'est ce qui nous chagrine toujours un petit peu, évidemment. Le rêve d'une tombe musée s'évapore complètement. Parce qu'en fait, tous ces objets, il faudrait les découvrir et les comprendre à l'intérieur de leur contexte. Il faudrait pouvoir faire partager avec le plus grand nombre l'émotion de pénétrer dans une tombe avec des objets intacts qui ont traversé 2500 ans ou plus et qui nous parviennent avec la fraîcheur qui était celle de leur jour d'inhumation. Difficile. C'est un rêve difficile. Il n'y a guère que la tombe de Toutankhamon dans laquelle il y a encore des objets authentiques et en place, à leur place originelle. Oui, moi ça va. Il a bien supporté le voyage. C'est un plaisir, c'est un bonheur même d'être à niveau, parce que jusqu'à présent, on l'a vu, on était à quatre pattes dans la tombe. Bon, avec le meilleur éclairage possible, on n'arrive pas à voir les détails, la finesse de ces scènes. Et puis ces couleurs tout à fait vives, hein, ces oranges, ces ocres. Beaucoup reste à apprendre sur le personnage. Le travail d'identification ne fait que commencer. Fils de Horst Eiseth, c'est le nom de son père, Euphée, né de la maîtresse de maison, ta chérie, un dieu. J'ai l'impression qu'elle y est aussi. Mais y a il pas doit être là le nom, mais alors pour le voir. On arrivera peut-être à recomposer la famille et puis surtout à en savoir plus sur en fait les activités de ce personnage, parce que ce qui est étonnant, c'est que le sarcophage est de très bonne qualité, le décor est joli, il y a son nom propre, mais il n'y a pas sa fonction. Il n'y a pas de titre. Est-ce qu'il était prêtre? Est-ce que c'était un fonctionnaire? On ne sait rien. Donc on peut, avec des généalogies, si le nom du père, de la mère sont attestés ailleurs, s'il a des frères, des sœurs, bon. Tout ça est très intéressant pour la société de cette époque. La fouille aurait pu s'arrêter là. Mais elle va connaître un rebondissement de dernière minute. À deux jours de la fermeture, quelques détails seulement sont encore à régler. Et ce matin, c'est l'anniversaire de Marie-Françoise. Oh là là, de mieux en mieux. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans celui-là, mais alors... Les papiers sont magnifiques. Alors, je vais vous lire tout ce qu'il a écrit parce qu'il apprend le français. Je te souhaite une bonne année. Je suis très content. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Marie parce qu'il fait des vers. Alors, une bise. Enfin, c'est très fragile. Il y a marqué good luck. C'est un romantique, Ayman. Ayman, attention, c'est du cristal. Hein. Non, c'est de plus en plus osé. Voilà. Oh, alors, un cœur, le dossier. Oh, merveilleux. Avec un miroir. Il y a marqué good luck, hein, quand même. Bon, ben, j'espère qu'avec tout ça, nous trouverons d'autres sarcophages. Je crains que pire, Ivan. Marie-Françoise ne croit pas si bien dire. Retour dans la galerie. Tu tiens là? Oui. Ah! Oh! Ah, khalas. Le plafond montre quelques signes de faiblesse. Il faut le renforcer. Non, ça va, c'est bon. Donc en principe, maintenant, cette partie-là de la galerie, en tout cas, est sécurisée et on pourra envisager l'année prochaine avec les Égyptiens la sortie des sarcophages.
Étayage terminé, Marie-Françoise achève le dégagement du fond de la galerie, à l'endroit où quelques jours plus tôt se trouvaient les momies. A priori, rien de très spectaculaire à attendre. Ça peut être les sacs de celles qui n'ont pas servi. Non ? Selles, bandelettes et quelques objets d'usage courant. C'est pour écrire, c'est un kalam. Encore un mètre à dégager. Après quoi il faudra construire un muret qui stabilisera cette coulette des blés. Un puits rempli de sable au bout de la galerie. Il faut l'empêcher de se vider vers l'intérieur. Les ouvriers arrivent au niveau du sol originel de la galerie. Quand soudain... Je savais que c'est toujours la dernière minute où on trouve les choses. Oh, c'est génial! Elles ont les semelles attachées. Chouette. Eh ben, écoute, Mabrouk. C'est génial. C'est la première fois qu'on a des semelles. La deuxième, on va faire la clé. Nour. Ah oui, il y en a trois avec des semelles. Hein. Trois avec des semelles. C'est le petit bout de la boîte qu'on voit là. Hein. Ouais. Ah oui, il y a une caisse complète. Les inscriptions sont d'une fraîcheur remarquable. Ouais. Donc trois momies, quatre momies et une caisse. Superbe. Quatre momies, plus celle qui se trouve dans la caisse. Avec une caméra miniature, on peut l'apercevoir. Oh, c'est superbe. C'est extraordinaire, ça a l'air inviolé, hein, tout ça. Oh, c'est vraiment étonnant. Incroyable, mais alors, c'est le dernier jour, hein, comme toujours. Elle l'a fait exprès. On va être obligé de refermer. C'est tous les ans pareil. C'est vraiment insupportable. Vous êtes insupportable. C'est incroyable. Moi, je voulais terminer l'étude et le dégagement de cette salle, déjà l'an dernier. Hein. Donc, bon, là, on a vraiment tout dégagé, étudié les momies. Après, on la fermait, on posait les pots, et tout. Et puis voilà, bah, on est reparti dans d'autres directions. Et celle-là, on va les suivre. Hein. On va pas laisser ça. Mais la patience, il va falloir l'avoir. Hein. Parce que c'est tous les ans, il y a encore 11 mois qui vont s'écouler. Ça nous donnera le temps de réfléchir à la manière de fouiller ça, parce que ça ne va pas être facile. Hein. Toute l'équipe a vu. On bouche le trou qui mène au caveau. Hop, on ferme. Du sable est à nouveau versé dans les puits. Par-dessus les grilles, on coule de nouvelles dalles de béton. Jean-Pierre imprime la marque du musée du Louvre, à laquelle il ajoute un petit clin d'œil personnel. Peu après, interdit d'accès pour l'année à venir. Au printemps prochain, le trésor de Saqqara livrera sans doute bien d'autres secrets.